Amis turfistes, bonjour à toutes et tous et ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez bien sur la rue des joueurs. Aujourd'hui, nous vous proposons une petite vidéo explicative concernant le nouveau venu chez The Turf, le The 5 Horn. En effet, depuis le mercredi 7 juin, le célèbre opérateur de paris en ligne The Turf a lancé en grande pompe son nouveau fleuron de paris, le The 5 Horn, qui vient compléter une offre déjà très riche et variée chez The Turf. Le but de ce The 5 Horn est très simple. Il vous suffit de vous trouver les 5 premiers dans l'ordre de la course événement, généralement disputée dans le quintet, pour toucher le The 5 Horn. La mise n'est que de 50 centimes d'euros contre 2 euros au PMU, soit 4 fois plus cher pour jouer au quintet. Donc ce type de pari Horn est déjà présent chez The Turf via le Trio Horn et le The 4 Horn. Un petit logo orange matérialisant l'ordre chez The Turf est apposé au sigle The 5 sur le site internet de The Turf. A noter que des gains intermédiaires sont disponibles pour ce The 5 Horn, contrairement au Trio Horn et au The 4 Horn. En effet, je vous parle de ces gains intermédiaires du The 5 Horn. Un premier cas de figure se pose. Si vous trouvez les 4 premiers, peu importe l'ordre de la course, vous toucherez alors le bloc 4 ou B4. C'est l'équivalent du bonus 4 au PMU pour le quintet. Deuxième cas de figure, tout aussi simple, si vous trouvez les 3 premiers de la course, peu importe l'ordre, vous toucherez alors le bloc 3 ou B3. C'est l'équivalent du bonus 3 au PMU pour le quintet. Un dernier cas de figure se pose, s'il n'y a pas de gagnant aux E5 cornes, le rapport bloc 4 sur 5 est alors mis en jeu. Donc, si vous trouvez 4 des 5 chevaux de la course, par exemple le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième, peu importe leur ordre, et que vous n'avez pas le premier, vous toucherez alors le bloc 4 sur 5 ou appelé B4 sur 5. C'est l'équivalent du bonus 4 sur 5 au PMU qui a depuis disparu, mais c'est l'équivalent du bonus 4 sur 5. Donc, dernier cas de figure maintenant. Si vous avez un nom partant dans les chevaux que vous avez sélectionnés dans votre combinaison The 5 Horn, vos gains seront alors basculés sur le The 4 Horn. Donc, si vous avez deux noms partants cette fois-ci, vos gains seront alors basculés sur le Trio Horn. Si vous avez trois noms partants dans vos chevaux sélectionnés pour votre The 5 Horn, vos gains seront basculés sur le jumelé gagnant. Et enfin, cas extrême, si vous avez quatre noms partants, là vous n'avez pas de chance, mais vos gains seront alors basculés sur le simple gagnant. Voilà. Donc, en espérant avoir été très clair sur ce The 5 Horn, n'hésitez pas à vous inscrire sur The Turf, déposer 100 euros et parier avec 200 euros. Vous trouvez la petite explication en haut à droite concernant cette offre de bienvenue sur The Turf. Et n'oubliez pas que nos pronostics détaillés et analysés du quintet sont disponibles chaque jour sur le site de la rue des joueurs, ainsi qu'une analyse détaillée concernant les deux pics 5 de la journée. Donc, rejoignez-nous vite sur la rue des joueurs et à très bientôt. Bye bye.